Merci d'être là, Ludovic. Avec Cédric, on va te faire parler, on va essayer de rentrer dans ta tête. Et moi, j'ai envie que l'on commence par la première étincelle, le premier jour, le moment où, pour la première fois, tu t'es dit, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. C'était quoi? Quel a été le déclencheur? Et c'était quand? En tout cas, merci pour cette invitation. Flatteuse, à vous deux. Le plus couillu du retail. J'aime beaucoup le mot, mais je vais essayer de ne pas l'employer. Je le ferai pour deux. Merci, et puis c'est un plaisir d'échanger sur ce sujet passionnant. Alors le moment, je ne vais pas dire qu'il y a un moment, il y a plusieurs moments. Je vais regarder d'abord mon compère Vincent, Vincent Lévy. En 2019, on a cette conviction chez Cora qu'il faut faire évoluer le mix de communication, plutôt une enseigne qui est tournée vers la communication papier, un peu de médias, mais très peu. Et donc on lance un grand chantier qui dure 2 ans, c'est de la mécanique, puisqu'on refait toute la partie site, le back-office, tous les outils qu'on vient plugger pour pouvoir travailler cette digitalisation de l'offre. Donc ça, j'oserais dire, c'est la partie mécanique. Qui était engagé indépendamment d'une logique de bascule radicale. C'était vraiment en prévision d'une bascule moyen terme, mais pas radicale. Et donc ça, on est 2019-2020, on commence tous les chantiers, investissements, travail avec l'équipe. J'aime bien dire, sur le digital et sur l'omnicanal, il y a 5-6 ans, on a commencé chez Cora, on était deux. Vincent Lévy et moi, il y avait une petite équipe aujourd'hui. Vincent Lévy, c'est le monsieur qui veut se faire remarquer avec la couleur de son polo, hein, je vous le dis pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Voilà, aujourd'hui on est un peu plus de 70 dans cette équipe. Donc deuxième temps, on travaille et on lance tout un gros projet sur la plateforme de marque, parce que là aussi pour prendre la parole, il faut réaffirmer des combats, il faut réaffirmer des engagements, et ces dernières années, les combats, les engagements de Cora sont pas tout à fait aussi clairs qu'on le pense, et donc on refond cette plateforme de marque. On travaille aussi sur la marque employeur, important dans le même temps. Donc là, on est 2021-2022, ça part un peu de temps, mais pour rappel, il y a le Covid qui est passé par là, qui a ralenti ou qui a mis d'autres priorités à ce moment-là. Donc ça, je dirais, c'est l'étape préparatoire. Voilà. Donc pour répondre peut-être plus précisément... Mais là, vous vous remettez à niveau quelque part par rapport à des... Où vous vous êtes déjà projeté dans l'idée d'être un peu en avance et devancer le peloton. Merci, parce que je ne sais pas si je l'aurais dit comme ça. On n'a jamais eu la volonté d'être les premiers. Ça, ce n'est pas une course chez Cora. On n'a pas besoin de flatter des égos. On n'a pas besoin d'affirmer qu'on est les premiers. Et donc ce n'est pas avec cette vision qu'on avance. Par contre, c'est cette conviction qu'il faut faire bouger les choses. Donc là, je vais parler d'une certitude personnelle. C'est que le format, le support papier, il a vécu. Il a eu son heure de gloire. Moi, j'ai la certitude que... Globalement, à part vous, nous, les professionnels et les promophiles, il n'y a plus grand monde qui regarde ce prospectus à titre personnel. Et quand je regarde mon entourage, moi, le prospectus, c'est dans la boîte aux lettres, mouvement transversal dans la boîte jaune qui est à côté, qui est le recyclage. Et je ne regarde jamais un prospectus à titre personnel. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de partagé. Peut-être que de temps en temps, il sert à éplucher les patates ou autre, mais pas plus. Donc le format, il a vécu, ça c'est une conviction. J'étais aussi choqué dans ma carrière, je regarde Alexandre qui a dû partager ses gros moments et qui les partage sans doute encore un peu. J'ai été choqué par mes équipes à certains moments qui, le lundi, le mardi, avaient une préoccupation. On mettait des moyens humains, financiers, pour vérifier que le prospectus avait été correctement distribué. Par contre, personne ne se préoccupait de l'intensité qu'on mettait sur la mise en œuvre en magasin. Alors que pour moi, c'est ça l'essentiel. La promo, elle est percutante si elle est visible, si elle est bien mise en œuvre dans le magasin, et pas en s'assurant que le prospectus était bien distribué. Donc ça, c'est plutôt des convictions personnelles. Et puis, il y a un momentum qui se passe, 2021-2022, flambée du prix du papier. Et là, c'est presque tous les 15 jours où Vincent vient me casser les pieds en me disant « J'ai encore eu un appel, on passe de 400 à 600 euros la tonne, de 600 à 800, de 800 à 1000.
de 1000 à 1200, presque 1300, je ne sais pas où on est aujourd'hui, puisqu'on ne regarde plus le prix du papier. Et donc là aussi, et ben, cette conviction qu'on n'aura pas les moyens de multiplier par 3 ou par 4 le budget du papier chez Cora. Moi, j'adore la relation et la relation avec les fournisseurs. J'appelle ça un partenariat. Là, ce qu'on a vécu sur le papier, désolé, ça ne va peut-être pas plaire, c'est pas un partenariat. On nous appelait le matin à 9h pour nous dire c'est 600 balles ou 800 balles la tonne et c'est réponse à midi, sinon on file le papier à quelqu'un d'autre. Ça ne s'appelle pas du partenariat. Donc ça aussi, ça a fait... Ça s'appelle l'économie de marché. Quand la ressource est rare et quand la demande est forte, celui qui détient la ressource en joue. On est bien d'accord avec ça, Olivier, mais il y a des façons... durable d'aborder les partenariats. Là, c'était pas le cas. Et donc, on voyait qu'on était à un moment où il fallait prendre une décision. Ça, c'est le grand catalyseur. Si je résume pour bien comprendre, le terreau était fertile par la conscience environnementale. La petite graine, c'est l'économique et la situation de tension sur le papier. Oui, complètement. D'accord. Complètement. Et puis, il y a le WIPUB, la loi résilience climat qui arrive. À titre personnel, moi, j'aime naviguer en terrain de contraintes. Je considère que les contraintes, les difficultés, c'est de là que naissent les opportunités. Et donc ça a vraiment été sous l'angle de l'opportunité qu'on a regardé le WIPUB. On avait la chance d'être sur plusieurs zones WIPUB. Et donc, on s'est lancé vraiment sur ce dispositif. Est-ce que tu te rappelles du jour où vous avez décidé d'arrêter? Alors, c'était dans quel cadre? Est-ce que c'était toi tout seul? Même question que tout à l'heure pour Laurent Lehen. Est-ce que c'était ton COMEX, CODIR, CO je sais pas quoi? Est-ce que c'est une espèce de référendum autour des grands cadres Cora? Comment la décision a-t-elle été prise concrètement? Mais on peut, vas-y, tu peux... Donc, c'est-à-dire le comité de direction, pour faire simple. Ouais, j'ai l'impression qu'on peut schématiser à dire qu'à un moment, on était deux face à la bronca. Et donc là aussi, de se dire on ne prend pas de demi-décision. On a des certitudes. Ce qui est en train de se passer sur nos magasins test fonctionne. On ne voit pas de comportement complètement... La décision, vous la prenez, d'arrêter globalement, vous la prenez combien de temps après le lancement des tests? Vous avez quel recul et quelle sérénité liée aux tests? On la prend 3-4 mois après. Donc très vite quand même. Voilà. Parce que malgré tout, il n'y a pas eu une saison, un tour d'horloge complet, notamment sur les grandes OP. Tu as 3-4 mois entre la mise en place du WIPUB sur les zones, le prix du papier qui devient complètement fou. Et donc là, la décision audacieuse, couillue, de dire il faut y aller. Et donc on opère cette bascule et la décision est prise début décembre de l'année dernière. Vous avez 60 magasins dans l'enseigne, pour faire simple. Ouais. Au moment où vous prenez la décision, sur les 60 directeurs de magasins, est-ce qu'il y en a même un sur deux qui la comprend et qui l'aurait prise si on lui avait posé la question à lui? Ouais, ou même pas ça? J'oserais dire qu'il y en a un ou deux qui partagent des bribes de conviction. D'accord. Mais c'est une façon de répondre qui est intéressante. Voilà. D'accord. Et donc là aussi, sur ce dossier, un des chantiers, des grands chantiers qu'on a mis en œuvre, ça a été l'accompagnement et la conduite du changement pour les équipes, pour les clients. J'oserais dire qu'on a mis quatre grands chantiers, quatre grands dossiers en œuvre pour y arriver. Le premier, ça a été d'expliquer aux clients qu'on allait arrêter le prospectus papier, mais pas la promo, ça c'est important. Et donc on se sert de notre plateforme de marque et notre nouvelle tonalité pour communiquer. Moi j'adore ce qui a été fait, je suis vraiment fier de cette campagne de com. La première c'était le prospectus papier, tournons la page. Et la deuxième c'était le prospectus papier, la seule espèce que nous acceptons de voir disparaître. Avec une c'était magnifique, un dinosaure en origami, c'est ça, hein, si une magnifique bien. Origami en dinosaure qui trône sous, je crois, tous les bureaux de l'entreprise aujourd'hui, tellement on en est fiers. Donc ça, c'est le premier point. Puis comme on est chez Cora, même si tout le monde n'est pas convaincu encore à ce moment-là, on a des initiatives locales qui vont aller chercher des idées un peu folles. Ce magnète posé sur
un frigo que vous avez, je crois, vu dans toutes les enseignes derrière, qui est lancé à Essel-et-Nancy. Mm-hmm. Super idée. Donc là aussi, comment on accompagne le client dans cette démarche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment la bascule média. Bon, ça, on l'avait préparé techniquement. C'était facile à faire pour la digitalisation du prospectus. Derrière tout ce qu'on peut imaginer, les boucles WhatsApp, on va évidemment s'adosser à des plateformes pour la diffusion mm-hmm. de nos prospectus. Je pense à Bonial, Tiendeo et consorts. On investit sur du display digital. Troisième gros chantier, on investit sur les médias, la communication. Et donc là, présence toutes les semaines en radio. Avec aussi une évolution technologique qui nous permet de communiquer pour la première fois. La géolocalisation, enfin la géographie de la diffusion. La télésegmentée en particulier. Mm-hmm. Puisque quand on est Cora, qu'on a 60 magasins et que le plus au sud est à Alès, ça ne sert à rien de communiquer à Marseille, à Bordeaux. Voilà, donc ça, et le coût n'était évidemment pas abordable pour nous. Donc investissement sur les médias. Donc dans la PQR, la IPQR, donc là aussi on passe sur tous les dispositifs qui existent. Je dois en oublier dans le dispositif, mais voilà tout ce qu'on investit. Et puis le quatrième axe, bah, c'est bien celui de l'humain, parce que c'est là-dessus que ça repose. Et donc là, moi j'ai vraiment une conviction, c'est que c'est dans l'excellence opérationnelle que tout se joue. Un bon produit en pub, en prospectus, c'est évidemment le travail des acheteurs avec les partenaires. Donc définir le produit et le prix, ça c'est simple dans notre métier, ça fait 50 ans qu'on le fait. Par contre, ce qui détermine la réussite d'une promo, c'est la qualité de l'engagement. Donc là, on est déjà passé sur l'humain. Et donc il a fallu faire évoluer la mentalité ou la façon de penser toutes nos équipes en se disant, c'est pas parce que t'as pas de papier il ne faut pas t'engager. Ça, c'était le réflexe quasi associé. Donc, on a verrouillé nos engagements et puis on a entrepris tout un travail sur le parcours client, l'excellence dans le parcours client. On reste juste un instant là sur l'humain avant d'aller sur l'économique. Quant à 95% des directeurs de magasins qui n'auraient pas pris la décision que tu prends, ouais. Est-ce qu'à un moment donné, ça te fait douter de la décision? Parce que c'est quand même eux les commandants sur le terrain, hein. Et d'autant que chez Cora, il y a une tradition de décentralisation et de responsabilisation des directeurs qui est forte. Oui, vous m'excusez pour les propos, mais il y a un peu de testostérone chez nous. On aime bien discuter en vase clos et prendre les avis de tout le monde. Par contre, à un moment, il faut y aller. Et donc là, c'est la conviction qui... Enfin, c'est pas que la conviction, mais en tout cas, c'est la décision qui prime. Et on y est allé... je dirais comme un seul homme, alors il y a toujours quelques petites... Mais ça, c'est ce qui fait le charme de l'entreprise. La question n'était pas tout à fait celle-là, c'est que quand tu as derrière tes 60 généraux sur le terrain, dont tu sais qu'il y en a une poignée qui vont te suivre à la vie et à la mort, parce que Ludo a dit, donc j'y vais, voilà. Ouais. Mais que tu en as un certain nombre, très important, tu l'as dit tout à l'heure, qui ne sont pas convaincus, est-ce que tu ne te dis pas quand même, merde, c'est peut-être une décision que je prends contre le terrain? Ouais. C'est la première et j'espère la seule fois que je prends une décision contre le terrain. Notre façon de travailler, c'est la co-construction, co-partage. C'est ça le sens de la question. Avec les organisations syndicales, d'ailleurs, j'aime bien le rappeler, chez nous, elles sont autour de la table. Et donc, non, là, on y va vraiment avec cette volonté de aussi expliquer que ça fonctionne, qu'il n'y a pas de déflagration, et que bien au contraire, si on renforce l'excellence opérationnelle, on s'améliore. C'est ce qu'on a pu établir sur les quelques magasins test. Peut-être pour anticiper la question ou des questions d'après, et alors la vie sans prospectus, ça donne quoi? Globalement, l'abstinence après 4 mois, tout va plutôt bien. Quand je regarde dans mes lectures préférées, les retours d'A3Distrib, par exemple, notre part de voix sur la promo, enfin notre part de marché sur la promo est stable sur le T1. Donc ça nous conforte.
Mieux que ça, on améliore nos chiffres d'affaires en promo parce que justement, on a mis un accélérateur et tout le monde est concentré sur le sujet. Votre taux promo augmente sans prospectus. Voilà. Et tu l'expliques autrement que par la qualité d'exécution ou c'est finalement ça? Parce que comme les mecs n'ont plus de prospectus, il faut vraiment qu'ils soient au carré sur l'exécution de la promo. Oui, je crois qu'il y a un ensemble de facteurs. Donc celui-ci, je pense qu'il est... c'est le numéro un. Voilà. Et ensuite, le fait de communiquer sur le digital, d'avoir accéléré notre communication sur le digital, nous a aussi et surtout permis de toucher de nouveaux clients. Des clients à qui on ne parlait jamais. Moi, ma lecture préférée, c'est l'équipe. Je suis très, très cultivé. Et sur l'équipe, c'est la première fois que je voyais que Cora me parlait. Donc auparavant, Cora ne parlait pas puisque ça finissait dans la boîte, dans la poubelle. Donc on est allé toucher des nouveaux clients, on a teasé des nouveaux clients. Et d'ailleurs, sans trahir de grand secret, une des opérations phares de Cora, c'est le gros volume. Le gros volume de début d'année a été un vrai carton. Sans prospectus. Hein. Et donc quand je regarde en 12 mois glissants, puisque c'est à peu près, on arrive à peu près à cette étape-là des 12 mois glissants, l'enseigne a gagné 2 millions de clients. Ça faisait quand même quelques années qu'on n'avait pas eu un tel gain de clients. Au bout de combien de semaines on commençait à être un peu serein et à se dire « Ok, j'ai pas fait une grosse connerie Est-ce qu'on y est là ? 4-5 semaines, 5-6 semaines. Donc là, on y est là, c'est bon. Tu vois le truc. Aujourd'hui, on est assez serein sur cette décision. On parlait tout à l'heure de non-alimentaire, de l'attractivité du non-alimentaire. Mm-hmm. Tu l'as dit. Cora a une particularité, c'est que son non-al est fort. Mm-hmm. Et on veut que ce soit une force. L'absence de prospectus sur les grands saisonniers. On peut imaginer rapidement ou facilement que ça va être une catastrophe. Fait plein air. Pour le coup, plein air, il a été fait. Voilà, c'est pas le cas. Le début de la saison a été mauvais, mais ça, c'est la météo. Et puis, on voit que dès que la météo est là, ça fonctionne. Moi, j'aimerais bien rappeler aussi dans les inepties du passé, ce que j'ai pu vivre, c'est j'ai un prospectus salon de jardin que je distribue au mois de mars en général, quelle que soit la météo. On a distribué des prospectus jardin alors qu'il neigeait. Le client, il n'en a rien à faire. Ce n'est pas le bon moment. Et donc ça, avec le digital, on a aussi trouvé cette souplesse de pouvoir différer les dates, d'être beaucoup plus agile. Dans les tests qu'il y avait eu, si ma mémoire est bonne, il y avait Dunkerque qui était dans les premiers magasins. Vous aviez remarqué que le fait de communiquer différemment, ça vous faisait venir des clients qui ne venaient pas chez vous. Ça veut dire, en gros, dans le monde d'avant, la routinisation de la communication faisait que des clients passaient à côté et vous n'alliez pas les chercher. Ouais. Ça veut dire que la maille devient plus fine. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Est-ce que ça a été démontré sur les autres magasins? Est-ce qu'ils ont tous gagné du client? Je vais généraliser. Alors d'abord, oui, ils ont tous gagné du client, puisque les 2 millions, c'est bien sur l'ensemble. Cet exemple de Dunkerque, il est purement fou. Puisque c'est le directeur qui a été tête baissée quand le WePub est arrivé. Il m'appelle et il me dit j'arrête tout. Je lui dis Gilda, tu vas peut-être un peu fort, faudrait peut-être quand même s'assurer de... Et donc effectivement, comme on est chez Cora, je le laisse faire, il y va. Et le bilan, c'est sur cette première année d'arrêt du prospectus, son magasin fait plus 16% au chiffre d'affaires. Plus 16%, je peux vous assurer que dans notre métier, il n'y a pas beaucoup de chiffres comme donc ça. Donc positif volume, parce qu'on va plutôt regarder les volumes aujourd'hui. Volume, débit, clients, voilà. Okay. Et puis le point qui me rend le plus fier, c'est qu'on a vraiment travaillé le rajeunissement de notre clientèle. Hein, donc vraiment, on est allé toucher ces nouvelles cibles. Donc là aussi, ce n'est pas que la communication qui fait qu'on a touché de nouvelles cibles. C'est aussi tout le travail de fond qu'on a entrepris sur le non-alimentaire en développant des nouveaux concepts, des concepts tournés plutôt sur les générations 30-40 ans. Ça va peut-être vous choquer ce que je vais dire, mais autour du gaming et de la pop culture. Donc là aussi, dans mes convictions, le gaming, je croyais que c'était mon fils de 22 ans qui a un smartphone branché au bout de la main. Non, c'est le gamer, il a 38 ans et c'est une femme. Moi, j'adore cette cible parce que quand le client moyen de l'hyper a 48 ans, ça veut dire qu'on s'intéresse
aux clientes dans 10 ans. Et donc c'est vraiment avec tous ces sujets que je crois on a travaillé ce rajeunissement. Alors tu évoquais le passage de la rigidité du prospectus à l'agilité et à la flexibilité que permet le digital, mais en termes de façon de travailler dans l'entreprise, c'est des bascules qui sont très profondes dans la façon de construire les plans et de les exécuter. Et vous avez basculé pratiquement d'un seul coup ? Non. Non. Là, la décision, elle a été plus vite que prévu. On l'a anticipé parce que, je le disais, l'économique, enfin, le momentum était là, donc il fallait y aller. Donc on n'était pas prêt. C'est pour ça qu'on avait prévu un temps un peu plus long. Et donc on a accéléré les équipes là de Christine. Et de Vincent sont devenus fous parce qu'on leur a demandé un truc improbable en 4 mois de basculer le programme, le planning pub 23, de recorriger le planning pub 22, parce qu'en fait en 22 on avait déjà arrêté le prospectus sur le second semestre, puisque quand on distribuait plus que des feuilles de papier. Hein, donc, avec des QR codes dessus. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc quand tu distribues une feuille de papier, c'est comme si tu as arrêté le prospectus. Donc voilà. Donc c'est tout le fonctionnement qu'il a fallu repenser. J'oserais dire que c'est ce qui me plaît aujourd'hui, puisque je crois que le deuxième acteur a basculé l'ensemble de son parc, va le basculer dans quelques semaines maintenant, au mois de septembre. On reste juste un instant là-dessus. Est-ce que le moment de comprendre que vous étiez le premier a été une fierté ou un non-sujet ? Alors, à titre personnel, moi, je ne me nourris pas des fiertés ni des galons, mais ça a été une vraie fierté pour l'entreprise, ça a été une vraie fierté pour les équipes. Parce que pour le coup, chez les Bleus, les autres Bleus, bah, ils ont fait la gueule le jour où, ouais, où on a sorti ça. Je crois savoir. Je crois savoir qu'il y a eu un week-end un peu fort, mais voilà. Mais ça, c'est pas ce qu'on retient, nous, en tout cas, et je me répète. Ça pourrait être un élément de fierté, néanmoins. Alors, certes, niquer Leclerc, ça a de la gueule. Hein. Je le dis, c'est un élément de fierté interne. Et donc, on a évoqué la difficulté de l'adhésion, de l'embarquement. Mais au final, une fois que ça s'est fait, et une fois qu'on a vu les retombées, et là je crois qu'on peut dire qu'on a été aussi un peu submergé et surpris par les retombées, là pour nos équipes, sur, je voudrais dire, la marque employeur, sur tous ces sujets, on en vient à ça. Sur l'audace, c'est un fait marquant, ça c'est clair. Quelques petites questions comme ça en rafale pour terminer. Zéro exception, foire au vin, jouet de Noël, où là on pourrait se dire, bon allez quand même, là il a un rôle ce support-là. Alors s'il n'y a pas trop de caméras, je vais me permettre de reprendre une expression comme tu l'as utilisée en début. Moi, j'aime pas les décisions en demi-molle. Moi, j'aime bien ce genre de réponse. Et chez Cora, on n'est pas des demi-molles. Enfin, parce que je vais le mettre comme ça, mais vas-y. Voilà. Non, s'il te plaît. Okay. Non, mais ce que je veux dire non, par là, c'est qu'il faut. Est-ce que tu comprends l'usage client ? Oui, parce que oui, c'est ça le sens de la question profonde, c'est que c'est des prospectus qui ont une utilisation qui était objectivement différente du tout venant. Bien sûr. La foire au vin, le prospectus sur les cadeaux, on pense tous. Oui, le monde de Cora, le fameux monde de Cora, historiquement. Au découpage pour la liste au Père Noël. Bon, ben voilà, il faut aussi évoluer. Il y a à nous d'apporter de nouvelles réponses sur ces grands temps forts. Et puis la foire au vin qu'on a fait l'année dernière, elle a été en progression aussi. Et il n'y avait pas de prospectus. Bon. Donc je pense qu'il y a un moment, pas d'exception, un cap. Par contre, on n'est qu'au début d'une ère, en fait, parce qu'on n'a rien changé. On a toujours la promo. La promo, elle se construit toujours de la même manière avec les fournisseurs qui ont des temps forts, qui ont des produits à placer. Tu trouves le même produit dans toutes les enseignes à quelques centimes près la même semaine. La Danette prix choc, on la trouvera toujours. Voilà. Donc ça part toujours pas beaucoup du client, tout ça, effectivement. Voilà. Et moi, ma façon de penser cette promo, c'est la pêche à la grenade. Hein, je balance un truc, je vois ce qui remonte. On est à l'heure de la data. C'est un grand mot encore aujourd'hui, hein. Tout le monde a envie de dire on exploite la data, non, personne ne l'exploite. Ça fait 50 ans que nous, distributeurs, on a la plus grande richesse. On sait tout sur nos clients, mais on ne l'exploite pas. Et donc l'ère qui s'ouvre
je crois, devant nous, c'est celle-ci. Mmh. C'est réussir ce fameux ciblage. Si tu me permets, je crois que tu utilises souvent l'expression c'est chien ou chat en promo. Mmh. Moi, j'ai des poules à la maison et mes poules, elles ne mangent jamais de blé en promotion. Hein, parce qu'on ne parle jamais au segment sur les autres NAC. NAC, c'est les nouveaux animaux de compagnie, hein, parce que tout le monde n'est pas... Tout le monde n'est pas féru. De zootechnie. et donc voilà, c'est ça notre sujet. C'est comment on arrête de mettre 3 pages d'un prospectus sur un produit qui ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai jamais ouvert un capot de ma vie sur une voiture. Donc, quand on me fait, au moment des départs en vacances, 3 pages sur de l'huile moteur, sur machin, ça ne m'intéresse pas. Et donc, je pense que, voilà, on n'est qu'au début. Autre question, les fournisseurs. Le prospectus est une contrepartie. Aujourd'hui, Cora n'a plus de contrepartie à donner à ses fournisseurs. Est-ce que c'est gênant ? Le patron des achats, il ne devait pas être trop rassuré quand même quand tu as décidé. Non-sujet. C'est un non-sujet. Non-sujet. Et pourtant, il y a une obligation de contrepartie et les prospectus, historiquement, étaient utilisés comme tels. Mes volumes en promo progressent. Ce n'est pas le support qui est intéressant, c'est le volume sur lequel on s'engage. Et donc là-dessus, contrairement à ce que tu dis, le patron des achats était un des premiers à nous suivre dans la démarche sur la digitalisation, là aussi, de ses offres et de ses catalogues. Autre question, Rafale, est-ce que le non-alimentaire ne souffre vraiment pas du tout de l'arrêt des prospectus, pris dans son ensemble ? Tu sais, c'est compliqué de répondre à cette question que aujourd'hui. C'est multifactoriel, ouais. La performance. Oui, mais bon, donc, t'as un pif, peux sentir. Ouais, de temps en temps, il faut juste être pragmatique. Le marché est à ce niveau. On est au niveau ou au-dessus sur certains marchés. Donc ça, c'est la réassurance. Moi, ce que je sais dans le non-al, c'est vraiment là ce qu'on vit, c'est un temps fort en ce moment. Les saisonniers de plein air, piscine, salon de jardin... On n'a rien vendu pendant 2 mois. On a inondé nos clients de remises. J'ai vu que certains distributeurs étaient allés jusqu'à 50% de remises sur les salons de jardin, les piscines et autres. On n'a rien vendu alors qu'on sollicitait ou qu'on donnait des moyens aux clients. Par contre, dès qu'il a fait cette météo, ça a fonctionné. Et certains étaient en rupture parce qu'ils avaient vendu à moins 50 les produits. Ça, c'est... Le pif du commerçant. Mais est-ce que de... je me permets juste un truc, Olivier. Je crois que ce qui est le plus important pour un hyper, c'est de travailler son marketing de site. La principale raison de venue dans un magasin, elle est simple, elle est immuable. C'est la même depuis de nombreuses années, c'est la proximité. 6 clients sur 10 viennent dans un magasin parce qu'il est proche de chez eux. Donc si tu fais ton boulot, tu gardes ces 6 clients sur 10. Après, on peut parler de prix et autres, ça c'est disqualifiant, mais si tu fais bien ton boulot et si tu gommes les irritants, tu verrouilles une partie de ta clientèle. L'hyper, c'est une attractivité 10, 15, 20, 30 km, certains même bien plus. Et donc ce qui fait venir le client dans ces gros magasins, dans ces hyper, c'est ce marketing de site. Qu'est-ce qu'on a su développer comme aspérité? Et donc, nous, ce qu'on cultive chez Cora, c'est 60 hyper différents. Ça, on l'encourage. Donc, aucun magasin ne se ressemble. Certains sont des mastodontes du non-alimentaire. Je reprends dans nos fiertés, on a un magasin qui est le plus gros vendeur de Lego en France. C'est pas rien. Premier vendeur de Smartbox devant les Fnac parisiennes qui trustent les premières places sur ce sujet. Ben, c'est juste parce que dans ce magasin, il y a eu cette culture. Du non-alimentaire, de l'événementiel, de l'exception, l'exceptionnel. Le client vient à Nancy ou de Mont au mois de décembre pour chercher du Lego. Il y a un rayon Lego, il faut le dire. Il y a 2 allées, voilà. Mais l'offre crée la demande, on ne va pas s'en plaindre non plus. Hein. Donc c'est bien en capitalisant sur ces sujets que là aussi on travaille l'attractivité du non-alimentaire. Allez, l'avant-dernière, est-ce que 2023, vous dépenserez plus ou moins que 2022 en budget com au final ? Est-ce que la digitalisation, l'arrêt du prospectus, est-ce que c'est une économie ? En année 1, parce qu'en année 5, je n'ai pas de doute. Alors, en année 1, je vais répondre très honnêtement et franchement. En année 1, on a maintenu la béquille. Donc, même niveau d'investissement. Hein,
au final, comme le vélo avec les petites roulettes, il fallait quand même s'assurer du backup au cas où. Et en année 3, 4, 5, ça doit être moins, on est d'accord? En année 1, ce sera moins. En année 1 ou en année 2? Parce que là, fin d'année 1, tu as dit que ça serait pareil. Non, mais ça, c'était le budget. Ah, d'accord, ok. Et au final, ça sera moins. Et au final, ce sera moins. Parce et avec la conviction que vous ne perdez pas de puissance en route. Voilà, parce qu'on est, dans cette période où on est en test and learn. Hein, donc, on pourrait répondre aux sirènes de tous les dispositifs magiques qui nous sont proposés, qui vont faire venir plein de clients. Donc on teste, on apprend, on regarde, on sécurise. Et puis globalement, on commence à tracer un sillon. Voilà. Et la dernière question qui pique un peu, est-ce que tu es pressé que tous les autres te suivent ou est-ce que tu te dis que tant qu'ils n'ont pas tous basculé, tu as de l'avance? Les deux options ayant leur avantage, parce que si tout le monde te suit, bah, tu es moins en risque au final. Là aussi, je vais répondre franchement, si tout le monde y va, on sera tous sur un pied d'égalité, et j'ai évidemment hâte qu'on soit tous sur un pied d'égalité, puisque le temps d'avance pris, c'est un temps qui nous permet de continuer à tester, à se réassurer ou à s'assurer. Et puis là aussi, on ne manquera pas de regarder les belles expériences de nos copains pour les imiter et puis prendre le meilleur de toutes les initiatives. Merci Ludovic, vous pouvez l'applaudir. En tout cas, chapeau. C'était très sympa de rentrer. Je vous l'avais dit ce matin, c'était intéressant de rentrer dans sa tête, façon de parler, mais de comprendre en gros où on y va, comment on y va, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui fait accélérer. Et donc, c'était aussi l'occasion. Et de reconnaître qu'il avait fallu quand même un petit peu y aller comme ça, parce que on comprend mieux parce que c'était, enfin, vu de l'extérieur, ce que le mouvement que vous avez fait chez Quora, on était quand même un peu bluffés. On comprend d'où il vient maintenant, c'est bon. Et ça méritait bien ce fameux trophée de l'audace, Cédric. Tant que patron de Diamart, je te laisse remettre ça. Je vais commenter ce qui se passe. Donc Cédric Ducrot, à gauche, attention, président du groupe Diamart, qui remet donc à Ludovic Châtelet, attention, directeur général de Quora France, le trophée de l'audace. Parce que encore une fois, hein, ce n'est pas la première enseigne, y compris alimentaire, à avoir arrêté le prospectus, parce que Monoprix aime à dire « Oui, mais nous, on avait commencé avant. » Je vous prie quand même de croire qu'arrêter le prospectus quand on est Monoprix, c'est moins couillu, pour terminer là-dessus, que quand on est Quora. Bravo. Voilà. Merci. Allez, on fait une petite photo. Allez, tiens, regarde. Tiens, mets-toi de l'autre côté, comme ça. Voilà. Regarde, c'est là que ça se passe.